Bonsoir tout le monde, bonjour, suivant l'air à côté nous, nous vous bienvenue sur News Daily. En fait, nous portons pour vous des informations justement qui montrent que la situation est vraiment compliquée. Nous autres, bah, ici, nous toujours faisons une distinction en discours Zelensky. Parce que le discours Zelensky n'est pas toujours objectif, parce que il est capable toujours aller dans seul sens, dans l'intérêt pâle, dans ça, l'a dit. Mais il y a plusieurs acteurs qui sont intervenus aujourd'hui. D'abord, nous parlons et voyons un acteur qui a un certain renom, qui a un certain respect, c'est CIA. CIA avertit que Poutine est capable d'utiliser les armes nucléaires. Déclaration ça a venu après que l'Ukraine arrivait fait couler dans la mer Noire. Youn nan pi gwo bateau de guerre que la Russie gagne. En fait, yo di c'est première fois dans l'histoire yo parlé yon bateau de cette envergure arrivé sombre par suite de yon attaque de yon missile de Ukraine. Yon bagay qui et fait que la Russie vraiment pété colère et je ne jodi à la bombarder un peu partout dans les pays. Donc d'après évaluation CIA, Poutine capable d'utiliser des armes nucléaires. Zelensky bon côté parle, il dit le monde supposé préparer yo avec possibilité pour que la Russie utilise des armes nucléaires. À la vérité, causer ça, c'était toujours une hypothèse. Les on parlait d'utilisation de armes nucléaires. C'était toujours une hypothèse, il pas de jamais une éventualité. Puisque bon, permettez-nous comprendre. Les armes nucléaires, c'était toujours un outil de dissuasion. C'est-à-dire c'est un outil que l'autre l'a utilisé pour pas approcher, pour en d'autres termes, c'est un outil le plus souvent utilisé pour pas attaquer, pour empêcher la guerre. C'était ça. Le fait que me dit j'ai des armes nucléaires, donc me tout dou, ou pas besoin de laisser frapper avec, c'était ça l'objectif là. Mais au grand jamais c'est pas un outil pour te utiliser. Et je ne j'ai dit à faut nous d'accord que là aussi n'avait un peu plus. Et on sentit que Poutine c'est quelqu'un qui pas décidé reculer pour rien. Donc Zelensky jeudi et hier vendredi a vendredi saint il y avait dit le monde faut que de manière sérieuse journée jeudi a pour nous préparer nous avec possibilité ça que la Russie capabilité des armes nucléaires dans attaquer avec l'Ukraine. Et Zelensky dit c'est pas seulement moi-même parce que tout le monde là tout pays est supposé inquiet. En d'autres termes, et Zelensky dit Moscou capable facilement utiliser et armes nucléaires, armes chimiques, puisque il dit que Poutine pas tellement bas importance à la vie humaine. Il est capable de faire, parce qu'il dit que pour eux-mêmes la vie humaine pas veut dire rien. C'est déclaration Zelensky. Il faut que nous pensions avec Bagassane, bien entendu. Zelensky dit, nous ne sommes pas prêts, il faut nous prêts, nous ne sommes pas prêts, il faut nous prêts. Et il dit que ça, ce n'est pas l'Ukraine seulement concernée, c'est le monde. Ok? Et nous rappelons que Poutine, ça a gagné la mois dernier, il te dit, mettez, en fait, il y avait un petit pour que vous mettez, et force nucléaire en état d'alerte maximale. Ok? Bon, bien que. Les autres pays de l'Ouest se disent c'est un bluff, son bluff lié. Et n'a pas rappelé où, papita que hier, de manière formelle, enfin dit ça, de manière formelle, là aussi, voyez une lettre, pareil, les États-Unis, il dit, moi averti nous, ça n'a pas fait à la, capable de gagner la donne. Donc, dit les États-Unis, le fait que on pédé approvisionner bazam Ukraine sans arrêter, ça pas gagne, ça capable gagner des conséquences, ça capable gagner des séries de bagailles que nous
pas attendre en clair, livrer directement les États-Unis, nous capables, même lorsque nous ne pouvons pas faire battre avec, mais ça qui arrive obligé dans. Et dans la façon à vivre des âmes là, ça qui arrive que. Bon. Que moi-même avant, nous venons dans la bataille, que nous entrons dans la Troisième Guerre mondiale, indirectement. Et puis, on essaie, dit Balabi, est-ce que les États-Unis ne peuvent pas battre avec là aussi? Bah, on est qui ont mon défini bataille, parce que je veux dire, les États-Unis presque et appauvrissent, ça ne les réserves, oui, bah, je veux dire, non. Les États-Unis mettent en danger dans un moment, faut une clé pour ça, nous, ça. Tellement la vie des armes, je dis stop, pas bien que leur un gros pays comme ça, ou supposé gagner un stock maximal de réserves, mais tellement la provisionner et Ukraine là, ils ont mis tête en danger, oui, là. Ok? Mette un loup non bagay qui mette goutte d'eau qui capable de faire vase à déverser. C'est information qui t'a fait quoi la Suède et la Finlande a préparé ou là pour rejoindre NATO. La Suède et la Finlande qui tout pré-collé. Les États-Unis dit depuis la Suède et Finlande et NATO, qu'on y a plus ennemi. Ennemi bar de tout côté vont comme plus méchant. Ok? Donc il dit à ce moment de la durée, il fait menace nucléaire et il parlait de hypersonic deployment. Ok? Et il dit si la Suède joigne et la déployer des armes nucléaires hypersoniques missiles au niveau de l'Europe. Donc, nous allons comprendre que, d'après ça que nous avons dit là, malheureusement, messieurs, dames, jour et jour, c'est vrai que tout le temps, qu'on a voulu monter, c'est pour en causer, faire paix, but. Alors là, l'éventualité pour nous entrer dans cette troisième guerre mondiale, plus que jamais probable. C'est ça vous nous comprendre là. Ça vous nous comprendre, c'est que Vladimir Poutine voulait jouer le tout pour le tout. C'est clair. Vladimir Poutine comprend que l'a fait une bataille pour l'histoire. Une bataille l'a fait à l'Asie, c'est une bataille pour la survie de la Russie. Puisque il dit que un bon monde que me considère comme ennemi moi l'Ukraine et les États-Unis yo sorti pour entrer en bas avant moi et comment parce que y a fait alliance avec un bon pays qui devant porte moi et que moi même comme grande puissance sont menacé tout commencer bataille là puisque comment les idéologies là aussi a tout commencer bataille là parce que c'est bataille n'a bataille avec moi nous entrer en bas avant moi comme ça et ça le dit là où on elle dit là aussi il dit guerre a commencé à partir du moment que ennemi mio yo a travaillé pour en bas avant moi pour mettre des anti-missiles par le fait qu'il a fait des alliances et qu'elle dit lui-même lui profiter bataille. Alors il dit si son bataille nous besoin, nous pas besoin. Alors il c'est comme si là aussi dit, on pas quitter nos financiers clés mais on comprend bien logique là aussi. N'a pas ces clés devant derrière tout pays bon côté mieux pour nous mettre des armes nous et puis c'est comme Dadou là aussi dit mais comme si nous tout battre moins sans que nous pouvons entrer dans bataille avec. Si me quitter nous en clés net et que tout autour de moi capable d'utiliser comme des dépôts pour garantir mes missiles. Ça veut dire envoie mes missiles là carrément même côté à puisque quand tu garanti mes missiles tout près devant votre main même côté bloqué m'a comme si ou en cercle m'a avant hein. Alors ça a plus de dire comme si ou m'a des bras des pieds gain des actions si me qui t'au faire devant votre main ou pas bon côté pour me sortir si pour mal bataille avant parce que quand en cercle net et c'est ça là aussi a parlé là et là aussi dit clair est-ce que ouais mal mec des États-Unis est-ce que mal Cuba ce combat qu'on a fait depuis longtemps. Est-ce que mal levé des yeux là, mal mettre des paumes? Donc c'est ça et il a aussi à parler là. Et maintenant c'est malheureux, mais la réalité assez salie. On vive un moment sombre, ok? Le monde a traversé une période difficile et que chaque jour suspense, éventualité de laisser faire ça beaucoup plus possible. N'a pas rappelé que dernier bateau ça que yo coulé pour la Russie, son bateau qui fait le navire en pile et c'est des armes spécifiquement qui sorti de alliés des États-Unis qui ben la Russie qui fait arriver et couler un bateau de cette envergure, c'est pas petit bateau non. C'est un bateau, yo les bateaux ça Moskva warship. C'est une bateau de guerre qui fait fierté de l'armée de la Russie qui est arrivé couler là. Vous comprenez?
C'est un véritable coup dur lié pour Poutine lorsque l'Ukraine arrivait et sombrait et y a un bateau de guerre de cette dimension. OK. N'a rappelé que faut d'accord que Poutine a vive une situation très dure, une situation côté qu'il a pris un coup. Il va écouter tout. En pile cette bac, il faut qu'il sauve l'honneur. Faut qu'il sauve l'honneur et c'est ça qui a fait que à la dernière recours effectivement il recourir avec des armes nucléaires là. Et c'est ça qu'on avait dit peut-être. Pas qu'on est. Peut-être son message que tu as donné, c'est les pays de l'Ouest qui côté où voulait arriver avec bah ça. Jusqu'à bon, où voulait arriver. Est-ce que ça pas veut dire rien pour eux parce que moi bon garanti. À la dernière minute effectivement, Poutine capable d'utiliser les armes nucléaires. Mais c'est ça. Il est capable d'utiliser. Regarde, s'il a aussi ouais que tout bon vrai, il est sur une perte de bataille ça. Il est capable de faire des frappes nucléaires. Et qui est-ce qui mène dans point ça? C'est ça la question ça va nous poser. Qui est-ce qui mène dans point ça? Et là, il arrive dans point ça. Est-ce que n'a pas fait back? Est-ce que n'a pas fait back? Donc voilà guys, et on suit update yo. Pour le moment, là aussi concentré pour contrôler toute partie ouest là, des zones tant que Kharkiv, Kherson et pas oublier que lui prend contrôle Mariupol qui sont zones stratégiques. C'est une plus grosse ville que le prend contrôle. Et l'a avancé pour lui contrôler toute partie l'est de l'Ukraine. Ensuite, Poutine capable de retourner encore à la bataille à Kiev. Donc, monsieur et dame, mais la situation est ouais que Biden bon côté pas lui qui disposait bataille, Biden cap bay zam sérieusement. Sérieusement. Biden dit pas le bay hélicoptère qu'on est là. Sérieusement. Donc c'est tac au tac, dent pour dent, il a décidé youn pas faire back. C'est ça n'a vivre là. Donc voilà guys, nous même nous te pote un update et n'a suivre pour évolution de bataille ça. C'était un plaisir.